allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très très bien et que tout va bien pour vous. En tout cas les frères et sœurs, si vous aimez les vidéos comme ça, où on partage vraiment des moments avec vous, n'hésitez pas, éclatez-moi cette barre de like, j'en suis sûr qu'un jour on pourrait dépasser les, les 10 000, j'en suis sûr, on peut dépasser un jour les 10 000. Si chacun met un like, voilà, dis-moi on peut le faire. Voilà, bref, on va dire aujourd'hui nos galères, je suis énervé parce que, voilà, vous êtes en ce moment en like. Voilà, on dirait, euh, vous demandez un like, on dirait, on vous demande une pizza. <laughs> bref ça ça fera un dès le début bref les frères j'arrête de faire le con n'hésitez pas en tout cas voilà comme d'habitude les frères à aimer à commenter à la partager Sarah sur Twitter Facebook là où tu veux la partager bref avec l'IA aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos petits moments de galère et c'est là justement où vous vous rentrez en jeu vous devez interagir avec nous et nous raconter vos moments de galère c'est parti l'IA galère numéro 1, qu'est-ce qu'on peut la raconter comme première galère déjà Alors on en a seule et on en a en commun. Voilà. Euh, en commun, une des plus grosses galères qu'on a eues en 5 ans, c'est bien celle des dons fake. Hein, des dons fake, ouais. Alors des dons fake, comme vous pouvez le savoir, c'est deux jeunes bolos, en fait, qui m'ont fait des dons fake. Alors au début, ne croyez pas, quand même, je leur ai posé la question d'où venait autant d'argent. Et ils nous ont tout simplement fait croire que c'était des mecs qui vendaient des points FIFA. Mais tout simplement, beaucoup d'abonnés à moi euh, me regardaient dans, ce... enfin, dans les lives à ce moment-là. Et en fait, ces mecs-là, ces deux mecs s'amusaient à me donner beaucoup, beaucoup de points FIFA. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi. À tomber dans leur panneau en croyant vraiment qu'ils vendaient des points FIFA, et c'est comme ça que je jouais souvent avec des abonnés en fait. Et les abonnés, je leur lâchais des 10, 000, des 10 000 crédits FIFA, des trucs comme ça. Je leur achetais des joueurs, mais super chers en fait. Mes joueurs mettaient des joueurs vraiment pas chers, et je leur achetais super cher Et c'est comme ça en fait que je tombais dans le panneau. Et ces deux mecs, en fait, si vous voulez, ils ont fait plusieurs dons des dons, des dons, des dons, des dons, des dons, des dons, des fois des dons à 1 euro, des fois des dons à 10 euros, des fois des dons à 1 euro, 1 euro. Bref, et ça a fait en fait une accumulation, les deux en fait, et ça a fait plus de 400 frais de dossier, et en fait comme vous savez, le frais de dossier sur, sur PayPal, quand il y a une opposition au paiement, vous devez tout simplement payer un frais de dossier de 16 euros. Donc admettons, moi je viens... Je te donne 1 euro, je te fais une opposition au paiement, et eh bien tu dois me rembourser 1 euro, et en plus tu dois payer 16 euros pour le dossier qui a été ouvert pour me rembourser. Donc en gros, non seulement tu me rembourses, et en plus tu dois payer euh, alors que tu as rien fait, tu as juste reçu le don. Donc voilà, je me suis retrouvé avec plus de 400 frais de dossier, donc 400 fois 16, plus l'argent qu'ils m'avaient donné à rembourser, et donc ça m'a fait plus de 4000 euros au total, parce qu'ils m'ont fait quand même beaucoup de dons aussi, même s'ils m'ont fait quand même beaucoup de litiges aussi, donc ils m'ont fait forcément beaucoup de dons. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé vraiment dans le pétrole. Train, dans la merde, même je dirais, et vous avez quand même été là très nombreux pour nous en sortir, et on vous remerciera encore jamais assez, je pense. Galère numéro 2 euh, on en a eu une quand, bah, quand on partait au, au cinéma. Je te plus, ah tu te rappelles Ah, ouais, alors ça, c'est une petite galère. Je me permets de passer le micro à tata, elle va vous le raconter. Voilà. Alors, on a, bah, comme on vous avez fait une vidéo dans les débuts, 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 donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant. Mais euh, on était parti au cinéma, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble avec Abdel. Donc on avait acheté un scooter et puis on s'est dit, on part au cinéma. Et là, on s'arrête à un feu rouge. On devait rejoindre mes potes en ouais, fait. Ouais, on, de, on devait rejoindre ses deux potes. Et puis arrivé au feu rouge, là, le scooter cale, il s'arrête. Et là, je dis, Abdel, bah t'as calé. Il me dit, non, je sais pas, ça veut pas redémarrer. Donc on se met sur le côté. Abdel, il ouvre le réservoir et monsieur n'avait pas fait le plat. Ouais, mais quand on a achetait ce scooter, le mec a dit que c'était en zone rouge, mais qu'on pouvait faire 100 km, alors qu'on n'avait même pas fait 30 km avec. Non, parce que je crois que c'était 50. Ouais. Enfin bref, il n'avait pas fait le plein, donc on se retrouve à marcher pendant des kilomètres parce que c'était le soir. S'il donc... y en a qui connaissent, en fait, on se retrouve de passer de la Canebière, donc tout en bas, euh, au centre-ville de Marseille tout en bas, et on est monté jusqu'à la porte d'Aix pour aller à une pompe d'essence. Et explique-leur la suite. Voilà, donc on a dû trouver une pompe à essence. Comme on avait... Que du liquide et pas de carte bancaire sur nous. Du coup, c'était compliqué parce que tout était fermé. Donc, Porte d'Aix, on en a trouvé une. Le problème, c'est que vu qu'on avait laissé le scooter sur la canne bière, eh ben, on devait prendre un jerrycan, mais on n'avait pas assez pour acheter le, le gros jerrycan. Donc, on a dû acheter des bouteilles d'eau, vider les bouteilles d'eau pour les remplir d'essence. Enfin bref, c'était une grosse galère. Et finalement, ben, on est parti regarder le film de la séance daprès mon pote Livio, qu'est-ce qu'il a fait quand on arrivait aussi Ah oui, non, mais attends. Vas-y, raconte attends. À la suite. Donc on a regardé la séance d'après. Et puis son pote Livio, qui est un C, qui c'est un mastoc, il lui dit, écoute, euh, fais-moi faire un tour de scooter. Donc il monte son scooter et là le scooter ne démarre plus. <laughs> Donc on se dit, putain, je le tuer en plus putain. Qu'est-ce qui a pété une fois de plus et tout Et puis on regarde un peu partout, ça démarre pas. Abdel dit, bon, j'ai peut-être laissé, la batterie s'est peut-être déchargée. Mais bon, c'était quand même assez court. Donc, en fait, on a remarqué qu'il y avait euh, le petit loquet de, sé de sécurité euh, qui empêche le scooter de démarrer, qui avait été ouvert quand monsieur, son pote Livio, avait mis ses grosses fesses sur le scooter. En plus, il a sauté ce bâtard dessus, il est ouais, ouais, ouais. Et Tonna. donc, du coup, euh, bah, pareil, il a délancé. En, en fait, il a fait tomber le béquet, en fait. Et quand tu fais tomber ouais. le béquet, quand il est ouvert, en fait, le scooter détecte et ne part pas. Parce qu'imagine, tu roules et tu prends une bosse. Et eh bien, en fait. Si le truc, tu sais, la jambe qui sert à garer le scooter, euh, elle s'ouvre, et bien tout simplement le scooter va s'arrêter pour pas que tu sois en danger. Parce que si elle reste ouverte, tu te la prends, tu, voilà, tu pars en couille, quoi. Bref, une autre galère euh, Là, c'est un petit peu un peu une galère un peu moi, moi personnelle seule. Ah, bah vas-y, ouais, juste. Voilà. Donc une galère que j'ai eue qui concerne la santé, et je pense qu'Abdel s'en rappelle très bien. Euh, je faisais ma douche, et euh, je, je suis tombée. Et je me suis euh, cogné la tête, enfin euh, la nuque, euh, dans le dans levier, en fait, dans le petit truc d'eau. Et euh, bah, d'un coup, euh, bah, c'était plus possible de bouger, en fait. Je me suis euh, fracassée. Et donc les pompiers et tout sont venus. Et euh, bah, je suis passée euh, pas très loin de la paralysie. Je ne pouvais plus bouger. Je sentais plus, en fait, quand ils me faisaient des petits trucs sur les pieds, vous savez, pour voir si je sentais ou pas. et bien, je sentais plus. Et parce que j'avais pris un gros choc et on a eu très peur pendant... Parce que tu t'es noté avec du savon aussi sous les pieds aussi. Hein. Ouais, parce qu'il y avait du savon hein. quand on se lave, il bah, y a du savon dans, dans la douche et j'ai glissé. Et, euh, et puis euh, j'ai eu... Ça fait euh... bang, bang Bang, bang, <laughs> <genre> le truc. <laughs> bang, bang. Et j'ai eu pendant euh, pas mal de temps une minerve et j'avais euh, tout le, le, le côté qui avait morflé. Et j'avais l'oreille qui avait gonflé. Enfin bref, c'était une très grosse galère pour moi, par contre. Ça, c'est une des plus grosses galères que j'ai eu hein. Et du coup, on raconte celle aussi quand on avait commencé Aventure YouTube Celle qui... qui. De la connexion. De la connexion. Ouais. Bah, celle-là, je te laisse euh, la dire. Alors, si vous voulez, donc on était euh, passé avec Free, en fait, si vous voulez. À ce moment-là, sur YouTube, en fait, je voulais complètement tout arrêter parce qu'il y avait tout contre moi, en fait. Il y a mon PC qui m'avait lâché, ma connexion nous avait lâché, il y a tout qui m'avait lâché, j'étais dans la merde totale. Et bien, tout simplement, avec l'IA, ça faisait exactement plus de 7 mois qu'on était sur YouTube. Et en plus de 7 mois, on a réussi à gagner à peu près un petit billet de à peu près 200 euros. 300 euros à peu près. En 7 mois. C'était le début. C'est comme ça malheureusement, c'est au début. Hein. Les gens croient YouTube Money, YouTube Si, arrêtez un tout petit peu vos conneries, sérieusement, parce qu'au début on gagne des petites pièces rouges, d'accord euh, Je dis surtout ça aux gens qui sont très jeunes mentalement et qui, qui connaissent pas encore la valeur de l'argent et le sens moral de, des thunes, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas l'argent, hein, parce qu'ils croient que l'argent tombe du ciel ou que ça arrive tout seul, alors que ce n'est pas comme ça, l'argent il faut aller le chercher pour se nourrir. Bref, en tout cas, j'ai la connexion euh, qu'a lâché les frères et sœurs, et vu que j'ai la connexion qu'elle a lâchée avec Lia, on appelle Free pour leur demander un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui arrive et tout ça. Et en fait, Free nous disent qu'il bah, y a un problème avec euh, France Télécom. Ah, les... Voilà, c'est ça, France Télécom. Alors j'appelle pareil France Télécom, ouais voilà, bah écoutez, il y a un problème. Non, le problème vient de chez Free. Alors Free nous demande, nous dit qu'ils vont régler ça avec France Télécom. Donc entre temps, bah je me dis euh, comment je fais pour continuer les vidéos pour mes abonnés. à cette époque-là, je n'avais pas du tout beaucoup d'abonnés. Je venais à peine de commencer YouTube. Voilà, c'est enfin commencer YouTube 7 mois. J'avais quand même un bon nombre d'abonnés. Mais j'étais pas encore un gros youtubeur. Et comme je vous dis, en 7 mois, on avait fait euh, presque 300 euros hein, En 7 mois 7 mois quand même. 300 euros sans rien toucher, sans toucher un euro. D'accord En fait, c'était des économies. J'ai économisé 300 euros en 7 mois sur YouTube. Alors, je vous explique pas la galère parce qu'avec 7 mois, euh, c'est même pas des courses pour un mois. Hein. Voilà. Bref. Donc, j'ai réussi euh, à demander à ma tante de m'installer vite fait chez elle pour continuer à faire mes vidéos tout simplement. Ma tante a accepté parce qu'en fait elle dormait ici chez ma grand-mère. Et elle, vu que vous connaissez un tout petit peu les personnes un peu plus vieilles, elles s'en foutent un peu d'internet. Donc tout simplement, on est allé chez ma tante. Je vais vous raconter ça un peu plus vite, parce qu'après sinon elle va durer trop longtemps. Donc tout simplement, en habitant chez ma tante, en restant chez ma tante, je suis resté euh, 3 mois et demi chez ma tante avec Lia. Quand Free et, Or et Bouygues Télécom nous racontaient encore que ça venait de chez l'un, de chez l'autre. Oui, monsieur Haredi, donc il faut attendre un tout petit peu une petite semaine, le temps que la connexion revienne. On attendait une semaine, deux semaines. On les rappelait, ils nous disaient qu'ils allaient régler les choses, que le dossier allait être mis. Oui, bonjour monsieur Haredi, oui, il n'y a, a aucun dossier à votre nom. Bref, ils m'ont fait tourner en rang pendant au moins quatre mois. Quand, enfin, je parle avec Orange et que j'arrive avec l'IA. A trouvé une solution avec Orange parce qu'en fait, une femme de Free nous a dit Madame, ils vont vous faire. Une, une femme de Free a vraiment eu pitié de nous, quoi, limite. Elle a vraiment eu pitié de nous et elle nous a dit que la ligne n'allait pas être rétablie et qu'il fallait un, tout simplement aller chez un autre euh, opérateur. L'IA a tout simplement pris le téléphone, a appelé Orange et Orange nous a dit Monsieur, dans une semaine, vous avez une connexion. Ok, merci, au revoir. Elle a raccroché. Juste deux jours plus tard, Montoshiba a lâché. Plus de PC. Le PC Alia avait des problèmes d'affichage. Donc des fois pendant que je faisais le rendu sur New Vegas, son PC prenait deux heures de rendu sur New Vegas, Il s'éteignait. Bref, là tout ce qu'il fallait pour s'arrêter. À ce moment-là, je vous dirai la vérité, avec l'IA, on mangeait pas très très bien parce que cette aventure YouTube, je la kiffais. Et euh, on allait tous les jours, tous les jours, je devais faire au moins une vingtaine de kilomètres pour aller chez ma grand-mère pour aller chercher à manger. Et sinon, bah, la plupart du temps, ce que j'avais beaucoup acheté, c'était des pâtes et du riz. Parce qu'avec l'ia voilà, on se démerdait. Oui, rigole bien. Non, ça on... me fait rappeler quand j'ai pris la carte et que je suis partie Voilà, un... on se démerdait avec ce qu'il y a. Et puis tout simplement, une fois, l'ia euh, elle a invité une de ses copines. Et puis elle a acheté du poulet, des chips, des frites, du Coca et tout ça. Et je lui dis mais mon cœur, c'est quoi tout ça Elle me dit euh, bah je vous dis le nom de sa copine, Sonia, voilà. Elle me dit bah c'est Sonia qui a tout acheté. Ah oh, je lui dis tu sais j'étais gêné tu vois. Je me lève, je dis merci, c'est gentil, tu, vois, tu fais la bise et tout. Je me dis what the fuck, tu j'ai l'impression d'être un mendiant, les gens ils m'achètent des trucs tu vois. Et l'autre elle a bien joué à la comédie tu vois, genre elle était ah oh, t'inquiète, ça fait plaisir et tout. Et en fait je mange et tout, je me dis ouais, ça fait plaisir et tout, bon, tu vois, on mange autre chose que des pâtes pendant, pendant un certain moment, tu vois parce que bon quand tu manges pendant une semaine des pâtes et du riz, crois-moi qu'au bout d'un moment c'est chiant, tu vois on est quand même en en France, hein, et c'est pas la normalement c'est pas la galère, tu vois ce que je veux dire En tout cas pour moi c'était pas la galère. Quand t'as le choix entre manger bien et manger mal, tu vas pas me dire que tu manges mal, d'accord Tu vas tu vas préférer manger bien, on est d'accord Mais moi voilà je préférais continuer ma chaîne et manger euh, ce qu'il y avait que aller rester chez moi et ne plus sortir de vidéo et être complètement inactif. Parce que l'aventure YouTube ben je la surkiffe tout simplement. Bref. On continuait donc, je mangeais et tout. Quand Lya elle me dit Abdel, euh, ouais, tu me l'as dit quand, le soir même ou quelques temps plus tard Euh, le... quelques temps plus tard. Je crois. Ouais, Abdel, jure-moi et tout ça, tu t'énerves pas Vas-y, je te jure, je m'énerve pas et tout. Et elle commence à me dire, ouais, en fait, euh, j'ai acheté la bouffe avec la carte. Je lui dis, ouais, t'es sérieuse T'es sérieuse J'étais vénère. T'es serves en plus tu vas faire la comédie avec ta copine, genre c'est elle qui l'avait acheté, je me suis senti tellement mal et tout. Je l'ai remercié comme une, comme une connasse. Enfin, moi comme une connasse, je me. Ah, merci, 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 tu vois, parce que c'était vraiment gentil, tu vois. Ouais, mais. Au final, t'étais bien content de le bouffer, le poulet, donc. Ouais, bah au final, j'étais bien content de le bouffer, mais. Ah, voilà, quoi, t'aurais pu me dire que t'avais tu ramené sur le compte mais en secret. Ouais bon on essaie vraiment d'être le plus économe possible parce que vous savez pour certains peut-être vous avez connu la galère ou vous l'avez pas connue mais vous savez quand on est dans une maison et qu'on a un tout petit peu de sous pour gérer la fin du mois pour certains euh, peut-être euh, personnes qui vont à l'université ou pour certains qui sont dans le monde du travail eh ben, il arrive des moments ou même pour certains qui sont encore chez maman ou chez papa il y a des fois bah, maman comme ma maman à moi ou mon papa à moi où ils ont connu des moments de galère et des petites baisses d'argent de, 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 dans le compte et peu tout simplement il faut faire avec tout simplement c'est-à-dire que maman au lieu d'acheter du netella de marque elle va acheter du netella euh, bien qu'il y ait de la soumarque marque ou d'acheter du oasis, ben, elle va acheter de la soumarque ou d'acheter du coca, elle, ben, elle va acheter du cola. C'est comme ça, des fois, il y a des moments de galère dans toutes les familles, dans la vôtre comme dans la mienne. Il y a des petites baisses comme ça, et puis ça arrive des fois de temps en temps. Et puis c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis je pense qu'on va s'en arrêter là parce que ça fait 13 minutes de vidéo. Hein ouais, on fera une suite. Si ça ah, on fait. fera une suite, ouais. Alors les gars, je vous dis, explosez-moi la barre des de likes et on fera une suite. Et n'hésitez pas, vous aussi à euh, dire ce que vous avez vécu, mais bon, en tout cas on a vécu pas mal de petites galères. Bien sûr, on n'a pas perdu une jambe elle on a perdu une tête, hein, mais euh, voilà, c'est des petites mais galères si euh, parler, du quotidien. Ouais, tête. voilà, c'est les, les galères du quotidien et vous aussi vous allez les connaître. Mais en espérant, pour vous tous, que, que, que Dieu vous aide et que vous connaissez pas des galères aussi importantes. Bon, quand je vous dis aussi importantes, c'est pas tomber en panne parce que ça tombe en panne, bon, c'est de la rigolade. Mais euh, autre, oui, bon. Plus. C'est bon, on arrête là, tu me saoules. Bref, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Je vais boxer Tata, je vais la boxer. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager, à l'aimer. Je l'ai dit déjà. À vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Tata. Ciao. Un vrai ciao. Ciao. J'ai mal à la gorge. C'est pas grave. Ciao. Plus fort. Plus fort. Merde. Voilà, on reste là. Ciao. Voilà.